Abba. Est-ce que vous savez ça? Oui. Je ne vous dis pas. Laissez-moi entrer dans ce témoignage. Oh mon Jésus, que quelqu'un dise avec moi, prophète avance. Oh Seigneur, prophète avance. Prophète avance. Alléluia. Que quelqu'un dise prophète avance. Amen. Prophète avance. Quand nous disons que nous servons Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. L'Esprit de Dieu a quitté beaucoup de personnes. L'Esprit de Dieu a quitté beaucoup de ministères. Aujourd'hui, beaucoup de ministères ont perdu la présence de Dieu. Je vous dis ça par l'Esprit de Dieu. Je vous dis ce que mon Père, notre Père ensemble, voilà, me révèle dans le secret. L'Esprit de Dieu, ces grands que vous voyez là, qui ont des grands titres, des grands ministères, ils ont des bâtiments de 1 hectare, 2 hectares, et ils ont la foule qui les suit. Mais la présence de Dieu est partie depuis, parce qu'ils ont mélangé le spirituel et le charnel. Voilà pourquoi beaucoup qui sont dans ces églises, alléluia, le temps d'adoration, c'est un temps de guérison en même temps. C'est un temps en même temps que tu reçois ton miracle. Est-ce que tu comprends? Beaucoup sont retenus captifs et ils suivent la foule. Alléluia. Ils suivent la personnalité. Donc, ils ne regardent plus à Jésus, ils ne discernent plus à l'Esprit de Dieu, mais ils suivent l'homme de Dieu parce qu'il est populaire, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça, ils suivent. Or, la présence de Dieu est partie là-bas depuis. Est parti depuis. Alléluia. Je vous dis par l'Esprit de Dieu, le ciel est vide. Le ciel est vide et nous devions peupler le ciel. Par l'Esprit de Dieu, nous devions peupler le ciel. Nous devions parler de Jésus. Nous devions annoncer l'Évangile. Parler de ce grand Dieu, de ce qu'il fait pour nous. Parce que quand nous servons Dieu, nous ne voulons plus garder ce qu'il nous montre, ce qu'il nous dit dans le secret pour nous-mêmes. Mais nous voulons exposer ça afin que les gens voient, qu'ils témoignent, qu'ils croient pour être sauvés. Alléluia. Pour être sauvé. Parce que le but, c'est le ciel. Que quelqu'un dise avec moi, le but, c'est le ciel. Oh le mon Dieu, but, c'est le ciel. Le but, c'est le ciel. Écoutez, vous voyez, nous sommes dans un programme. Et le thème de ce programme, c'est le fondement. Je n'ai jamais pris, depuis que je crois, depuis que j'ai cru, d'autant pour moi, en Jésus-Christ, depuis que je marche avec l'Esprit de Dieu, je n'ai jamais pris un programme de jeûne et je suis sorti de ce programme comme je suis entré. Jamais. Je vous dis devant Dieu, jamais. Dieu m'a toujours parlé, m'a toujours donné les instructions, m'a toujours visité. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important et c'est très encourageant. Alléluia. Et aujourd'hui encore, le Seigneur m'a accordé la grâce. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Il était 3 heures. Quand l'ange de Dieu m'a tapoté et il m'a dit, va prier. Il m'a dit, va prier. Je me suis levé, j'avais la flemme de me lever, j'avais la flemme, j'avais sommeil parce que j'ai dormi tard, parce que j'ai prié tard avant de dormir, vous voyez, j'avais la flemme. Mais là, je m'a dit, va prier, lève-toi, va méditer, lève-toi, va prier. Et je me suis levé avec le sommeil, je marchais comme ça, étant ivre du sommeil. Le sommeil m'amenait de tous les sens, dans tous les sens, dans ma chambre. Oh mon Dieu, le sommeil m'amenait dans tous les sens. Je suis allé, je me suis préparé, j'ai dit merci à Dieu pour le réveil et je suis allé méditer. J'ai obéi à la parole, j'ai obéi à ce que Dieu me disait. Je suis allé méditer et je suis allé prier. Et j'ai fini aux environs de peut-être 7 mois. J'ai fini peut-être 7 mois, je me suis recouché, je suis allé me recoucher pour dormir. Et quand je suis allé me recoucher pour dormir, je me suis couché, je ne sais même pas si je dormais, bien aimé. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Oh mon Dieu. Le Seigneur m'a ravi en esprit et Dieu m'a amené au ciel. Je parle de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui aux environs de 7 heures. Oh, amen. My God. Amen. My God. Que quelqu'un dise avec moi aujourd'hui aux environs de 7 heures. Oh, aujourd'hui aux environs de 7 heures. De 7 heures. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon sommeil, je me suis retrouvé en train de marcher. Et je marchais quelque part et je voyais la nature, elle était belle. C'était sur la terre. Elle était belle à un moment, mais je continuais à marcher. Et quand je marchais, arrivé devant, j'ai vu, c'était pas bien ce que j'ai vu. La terre, elle est sale. Ça, vous le savez déjà. Elle est pourrie, la terre. Vous savez ça d'office. Alléluia. À cause des choses qui se passent sur la terre. Donc, je marchais. Et je suis arrivé devant, j'ai vu comme un serpent. Et le serpent, je l'ai regardé devant, j'ai pris mes gardes. Oh, j'ai pris mes gardes. Quand je prends mes gardes,
Il me regarde et il se lève. Il était moche, ce Saint-Pangé, avec les blessures partout. Il ressemblait à un démon. Peut-être c'était même un démon. Alléluia. Mais c'était une occasion pour Dieu pour m'amener au ciel. Est-ce que vous comprenez? Et quand je suis arrivé, je l'ai vu, je me suis tourné, j'ai commencé à parler. Je me suis mis à marcher. Oh mon Dieu. Je me suis mis à marcher. Alléluia. Je me suis mis à marcher et j'ai constaté que le Saint-Pangé était derrière moi, il me suivait. Et j'ai commencé à courir dans le songe parce que je ne voulais pas affronter le Saint-Pangé. J'ai commencé à courir. Quand je courais donc, je suis arrivé comme il y avait une montagne. Et j'ai sauté. Donc, en fait, quand je sautais, je me voyais en train d'être... En fait, tu vois, tu sautes un peu comme ça, mais ça te projette encore plus haut. Comme si tu étais sur... Comment vous appelez là? Les trucs, voilà. Donc, je saute. Voilà, les trampolines, voilà. Je saute, ça me prolonge et ça m'amène sur la montagne. Et ça m'a amené sur une montagne à une hauteur de moins 5, comme la tour Eiffel. Très grande, la montagne. Et j'étais au-dessus de la montagne. Et le gorille était en train de s'efforcer à grimper la montagne que moi j'avais sauté d'un coup comme ça et je suis arrivé en haut. Lui, il était en train de forcer à grimper vite, toujours pour m'atteindre. Et quand je suis arrivé sur la montagne, devant, il y avait un grand fleuve. Étant sur la montagne, en bas, sur la terre, toujours, ça c'est sur la terre. Je voyais un grand fleuve. Et pendant que je regardais le fleuve-ci, j'ai sauté, je vais sauter dans l'eau là. Parce que je ne veux pas les problèmes avec ce gorille. Donc moi, je vais sauter dans cette eau. Et quand j'ai sauté pour tomber dans le fleuve, je me suis retrouvé plutôt entré comme s'il y avait quelque chose qui me projetait plutôt vers le haut. Et c'est comme ça que je suis entré. Je suis monté. J'ai commencé à monter. C'est comme, je ne voyais personne me faire monter. Mais il y avait comme une force, une pression qui me poussait vers le ciel. Oh, Dieu, c'est un mystère. Si quelqu'un joue avec Dieu, c'est qu'il est dumb, il est bête. Je vous dis la vérité. Il est bête. Il sait que pour lui, il faut qu'on revoie son cas. Il n'y a pas de raison de s'amuser avec Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de raison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois, je me retrouve en train de monter. Je monte. Moi-même, je suis conscient dans le songe que j'ai quitté la terre, que je ne suis plus dans la terre. Et je suis arrivé, c'est-à-dire, c'est passé d'un clic. Je suis arrivé, bam, dans le ciel. Dès que j'arrive dans le ciel, ce qui m'a beaucoup marqué et que j'ai su que j'étais dans le ciel, c'était la présence de Dieu. Donc, j'ai vu que le désordre qu'il y avait sur la terre, dans le ciel, il n'y avait pas ça. Et ça, c'est ma quatrième fois que Dieu m'amène au ciel. Et à chaque fois que Dieu m'amène au ciel, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire, la première fois n'était pas comme la deuxième fois. La deuxième fois n'était pas comme la troisième fois. Et la troisième fois n'était pas comme la quatrième fois que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le ciel, il y a plusieurs secteurs. Il y a plusieurs quartiers. Il y a plusieurs villes. Alléluia, semblable à la nouvelle Jérusalem. Et c'est même la nouvelle Jérusalem. Et je suis arrivé là-bas, j'ai vu la gloire de Dieu dans le ciel. J'ai vu la gloire de Dieu. Et dans le ciel, j'étais en train de chercher pour voir si je pouvais repérer quelqu'un. Et en même temps, sur mon corps, je disais, « Hey, je peux caler ici, hein? Oh, ouais. » Je disais, « Mais je peux faire comme ça. » Quand on tapote le corps le matin, c'est le corps qu'on amène à la morgue, hein, que le prophète lui reste au ciel. Oh mon Dieu! Quand le prophète lui reste là-bas au ciel. Hein. Je vous dis la vérité. Donc, du coup, dans mon esprit, j'étais conscient que j'étais au ciel. Et j'étais conscient que je voyais la gloire de Dieu, je voyais tout ce qui se passait, mais en même temps, j'étais pressé de revenir sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans mon esprit, là-bas, je disais, mais j'ai encore à faire. C'est ce que je disais dans mon esprit. Et je battais mon corps à revenir. J'ai forcé mon corps à revenir. Mais il y avait comme quelque chose de, je ne sais pas, c'est un ange qui me mettait la pression, non, d'attendre afin de voir, d'être témoin que le ciel est réel encore une fois de plus. Est-ce que vous comprenez?
et je voyais la gloire de Dieu. Je voyais les certaines les pistes dans le ciel. Ok, je ne veux pas trop aller loin. Mais quelle est cette chose qui m'a, cette autre chose qui m'a marqué? C'est que dans le ciel, j'entendais les voix sur la terre. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit comment? Dans le ciel, j'entendais les voix sur la terre. J'entendais comment les gens parlaient sur la terre. Donc, j'étais dans le ciel, mais j'entendais les voix parler sur la terre. Donc, les paroles que les gens prononçaient sur la terre, j'entendais ça monter au ciel. Et les paroles, c'était semblable aux paroles de mes enfants. Donc, ça veut dire mes enfants parlaient sur la terre et j'entendais leur voix dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? C'était la voix de mes enfants. Eux parlaient ici sur la terre, mais moi, j'entendais ça dans le ciel. Et quand j'entendais ça dans le ciel, j'étais surpris. Et je me suis réveillé, j'ai compris, j'ai discuté de ça avec l'homme de Dieu. Et j'ai fait comprendre à l'homme de Dieu que je comprends pourquoi Dieu dit « Non, nos adorations montent au ciel comme un parfum de bonne odeur. » Ça veut dire que ce que nous proclamons, nous parlons, nous chantons ici sur la terre, ça monte au ciel à vive voix, mais comme un parfum de bonne odeur. Parce que les paroles de mes enfants que j'entendais sur le ciel, dans le ciel, ce n'étaient pas des mauvaises paroles. C'était des paroles que Dieu recevait comme des paroles de bonne odeur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. C'était des paroles comme des bonnes odeurs. Parce que la parole mauvaise odeur ne peut pas arriver au ciel. C'est seules les bonnes paroles qui arrivent au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est seules les bonnes paroles. Ça veut dire tout ce qui est méchant, tout ce qui est impur, tout ce qui est les injures, les calomnies, les jalousies, les disputes, toutes ces paroles bizarres qu'on prononce, on insulte les gens ici sur la terre. Rien de ça n'arrive au ciel. Mais comment se fait-il que j'entendais les paroles de mes enfants? Mes enfants bavardaient entre eux, mais moi j'entendais ça dans le ciel. Ça veut dire que leurs paroles étaient bonnes à Dieu. En fait, ça avait une bonne odeur. Elles ne parlaient pas de Dieu. Elles parlaient de leurs choses entre elles et les filles. Alléluia. Mais j'entendais ces paroles au ciel. Elles n'étaient pas au ciel avec moi. Elles étaient sur la terre. Mais je voyais en même temps leur présence sur la terre et j'entendais leurs paroles dans le ciel. Ça, c'est un mystère que je prie que Dieu vous donne la sagesse pour comprendre ce que je dis. Parce que c'est comme si vous êtes perdu. Oh, c'est comme si vous ne me comprenez même pas. Alléluia. C'est comme si vous ne me comprenez pas. Donc, parce que les choses de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu pour nous accorder la sagesse même pour comprendre ce que Dieu nous montre. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu ne nous accorde pas la sagesse, nous n'allons pas comprendre. Nous n'allons pas comprendre ce que Dieu lui-même veut nous dire. Nous n'allons pas comprendre. Quand nous expliquons même aux gens, le monde ne va pas comprendre. Mais ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre. Alléluia. Ils vont comprendre parce que ces choses qu'on parle, c'est spirituel qu'on en parle. On parle ça spirituellement. Alléluia. On parle ça comment? Spirituellement. Amen. 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 Alléluia. Donc, ça, c'était une parenthèse sur mon témoignage. Donc, vous auriez dû peut-être entendre que le prophète ne s'est pas réveillé, que le prophète est resté au ciel. Et je disais à l'homme de Dieu que si c'était la volonté de Dieu, mais on allait commencer à dire que voilà, on vous a dit, non, regardez, donc, Dieu l'a frappé, il est mort, c'est un faux prophète. Oh, le ciel est doux, je vous dis toujours ça. Ça, c'est la quatrième fois et ce n'est jamais semblable. Alléluia. Toutes les quatre fois jusqu'à aujourd'hui, les fois que Dieu m'a montré, ça n'a jamais été la même chose. Toujours quelque chose de nouveau. Toujours quelque chose de nouveau. Toujours quelque chose de nouveau. Ce que je vous dis ici, je vous parle devant le Saint-Esprit. Si je manque que Dieu m'ôte la vie éternelle, je parle devant tout le monde entier. Parce qu'il y a les incrédules, mais je vous parle et je mets ma vie éternelle même en jeu. Que ce que je vous dis là, j'ai reçu ça aujourd'hui à 7 heures. Alléluia. Aujourd'hui à 7 heures. Nous sommes quand, s'il vous plaît? 12. Hein? Le 12. Jeudi 12. Nous sommes le 12 mai. Le 12 mai. Nous sommes le 12 mai. Donc, j'ai reçu ça aujourd'hui. Comme je vous parle là, exactement ce que je vous dis là, j'ai reçu ça aujourd'hui, le 12, donc ce matin, aux environs de 7 heures. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Quand je vous dis « j'ai vu ce que j'ai vu », ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas le hasard, c'est sérieux. Alléluia, c'est sérieux. Et quand je vous donne ce témoignage, c'est pour vous encourager que vous ne courez pas en vain. Vous courez vers un but, et le but là, c'est le ciel. Et le but là est plus réel que ce que vous pouvez imaginer.
Alléluia. Ça veut dire que c'est un endroit que si tu sers Dieu dans le désordre et tu rates l'endroit là, c'est fini pour toi. C'est-à-dire, quand Dieu va nous enlever, tu me vois même dans l'espace, comme on est en train de monter là, changer de route. Quand tu vas crier prophète, tu vas dire que non, c'était sur la terre qu'on se connaissait. Ici, c'est une place. Que chacun dise avec moi, ici, c'est une place. Ici, c'est une place. Il n'y a pas prophète. Il n'y a pas que tu m'as dit prophète. Tu avais donné la dîme. Non. Une place. Il va dire que ta dîme, là, c'est restée sur la terre. Ici, là, on peut voir le terre. C'est une place. Tu m'as dit, mais prophète, comment tu me fais ça? Tu m'as dit que, mais je te fais ça. Tu m'as dit, mais comment tu peux me faire ça? J'ai dit, oui, je te fais ça. Parce que ici, ce n'est pas le prophète qui décide, c'est Dieu qui décide. Moi, j'ai l'assurance à 1253% que tant que je vis dans la volonté de Dieu, tant que je vis en honorant la parole de Dieu, à n'importe quel moment que le Seigneur vient, je pars au ciel. Ça, c'est ma conviction. C'est-à-dire, ce que je dis, l'Esprit de Dieu atteste ça en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'ils servent Dieu après, ils pensent encore qu'ils vont aller en enfer. Non, chacun sait comment il sert Dieu. Moi, je sais Dieu que si je pars au ciel. Alléluia, c'est comme ça là. Et telle doit être ta portion au nom de Jésus, parce que c'est là-bas le meilleur repos. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Acclame Amen. Jésus pour ce témoignage. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, voilà le témoignage que Dieu m'a donné aujourd'hui. Et je partage ça avec vous pour vous encourager. Alléluia. Nous nous servons Dieu, nous voulons le témoignage de Jésus. Nous ne voulons pas servir Dieu, on est là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la foi, 20 ans, 10 ans dans la foi. Même l'orteil de Jésus, tu n'as jamais vu. Tu es dans telle foi. Tu as besoin d'une fessée, toi. Tu as besoin d'une fessée. C'est pas normal. Hein? Amen. Amen. Tu as besoin d'une fessée. Pourquoi tu me menaces avec les yeux? Tu as besoin d'une fessée. Tu me menaces avec les yeux. Moi, je te dis une réalité. Toi, tu me menaces avec les yeux. Quand tu sais Jésus, tu dois avoir le témoignage de Dieu. Alléluia. Parfois mes enfants, que Dieu bénisse mes enfants. Parfois, j'ai l'une de mes filles. Elle, ma fille, elle me dit souvent que papa, j'ai fait le songe, j'étais en train de voler dans les airs. Donc, elle dit qu'elle était suspendue dans les airs, elle volait. Et elle a vu les enfants comme elle. Et les enfants, s'ils étaient sur la tablette en train de regarder les dessins animés. Et elle a dit que, mais pourquoi vous ne priez pas Dieu? Vous faites quoi sur la tablette? Pourquoi vous ne priez pas Dieu? Elle a 7 ans, ma fille là, elle a 7 ans. Mais elle a les dangereuses révélations. Parfois, je regarde comme ça et Dieu m'a déjà donné son témoignage. Je sais qu'elle va servir Dieu. Vous voyez, elle me dit, dit aux enfants, mais pourquoi vous ne servez pas Dieu? Vous faites quoi sur les tablettes? Pourquoi vous ne servez pas Dieu? Pourquoi vous ne priez pas Dieu? Hein? Donc, vous devez comprendre que encadrez vos enfants dans le Seigneur. Ne laissez pas seulement vos enfants matin, midi, soir avec les tablettes, les machines, ils sont dans la distraction totale. Ils vivent selon le monde, ils font comme le monde veut. D'après vous, vous les faites plaisir. Et vous ne savez pas que leur âme est en jeu. Vous ne savez pas que leur âme est en jeu. Et quand vous les laissez grandir comme ça, dans ces choses-là, après demain, ils commencent à se révolter contre vous-même. Donc, il est temps que maintenant, si tu commences à encadrer ton enfant dans le Seigneur, c'est dès le bas âge. C'est pas quand l'enfant est à 18 ans, l'âge de la puberté, que tu vas venir dire que viens dans le Seigneur. Ça sera très difficile. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc, c'est très important. C'est-à-dire, ma fille, si elle a souvent des visions que moi-même, je reste comme ça, je dis, mais parfois, elle dit qu'elle était en train de prier. Elle faisait ceci. Et tu regardes l'enfant, tu dis que, mais Dieu l'a vraiment. C'est vrai qu'il fait grâce à qui il veut. Et il dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur des enfants. L'enfant est innocent. Et le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur des enfants.